Ce n'est pas que quand l'UDPS avait mis à pouvoir, Andy m'a même Bosotonios. Bon, ma cambo, l'UDPS a salagi, les rues au coma contraire. Andy m'a même la bouzoba. L'UDPS a eu pouvoir pour nous servir le peuple congolais. Gouvernement Zalini, le pouvoir nous sommes au la constitution n'a pas pour la Okambambo. Ce qui est tamboli dans le lingue et copité, il est passé à Ondimangote. C'est-à-dire, peuple congolais, Ondimangote. Salut à vous, fidèles amis de la page Info. C'est bel et bien moi, votre humble servante Karim Atafou, toujours un message pour informer Bino, vous informer, vous divertir, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur de ce pays, Anseli Limboka, au passage, il y aura toujours Mboka pour nous. Namaye Limoko, Yamalamu, Anseli Bongope, Nakati, il y a construction Mboka Nabiso. Monsieur Jean-Simon Lokango, il est là. Dans la Zara Nakati, il y a un Mboka. Il est là pour se présenter. Pour toujours l'oublier, il y a un Mboka Nabiso, il y a un Mboka Nabiso, RDC, parce que Malobi. Makambo ya ba congolais tali na ba congolais si la politique ce qu'on s'intéresse à on s'intéresse à na ngote ya on s'intéresse na yo au fur et à mesure tout ça avancer dans boka na biso to kato yeba ba ngungu ngungu to kato yeba ba solution peut tous ba solution na ba problème na biso ndenge mboka pezo kamba mato ka peut to yeba yango et le mona mwana mboka Jean Simon Lokango bonjour. Bonjour madame. Pourquoi tu as un masque de théâtre parce que tu as déjà un maître et ça déjà. Banamboka, dans le monde entier, il y a des gens qui se présentent, au monde a mis une émission dans l'émission du Colosso Sala. Il y a vraiment ce qu'on a mis. Oui, madame, tant que tu as un masque, il y a les bossos pour être dans le bas. Il y a un masque de bon côté. Jusque-là, sur le plan officiel, on va déclarer fin à coronavirus dans la RDC. Donc je suis obligé de me protéger, de me protéger en tant que journaliste. Et puis c'est un message que je lance à Bandebonanga Congolais pour continuer à respecter les mesures, l'union sur la barrière, Oyo, la Konzi, la PCBIS pour battre la bise. Dans mon même tout ça, le babou, ceux qui n'ont pas de masque. Les alliés pour l'accès à l'émoté, mais je suis en train de te protéger, de me protéger, de me protéger, le peuple congolais, pour nous respecter les mesures. Oui, je vois ma guide. Pour nous respecter les mesures, il y a barrières, il y a distanciation. Nous allons, M. Jean-Simon Lokango, serviteur du peuple congolais. Mon corps, nous allons, mon sali. Commis à Katia cabinet à chef de l'État, on va bénir par mon conseiller na collège planification agriculture pêche et élevage. Oui, mon conseiller en Boka a pu s'en garder confiance. Nous allons permettre à eux, on a accompagné vision à eux. Nous allons saluer le peuple congolais pour pêcher pour assaler la bino et des bino. Azon sa bosomi, azon sa bolamu, ya bino ou bobung sa mibou e belé. Merci beaucoup, madame. Voilà, monsieur Jean-Simon Lokango, merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas chamou pète en paix. Au lundi, honoré, moi, c'est comme on t'aime, malheureusement, je pense que beaucoup pas mal à Paris. J'espère que ma camouillamo est bandit. Papa, mon amour, Jean-Simon, les lois dans le côté la marche et autres pour les cas, dernièrement, récemment, il dépêche ses manifestants qui est sans qui n'a pas parti, nous souffrons. Marchouana, c'était dû à quoi? Résultat, dans mot, ils ont mené. Parce que yo posa membre, UDPS, ils ont façon qu'on l'a sabi nos chapeaux, parce que tout le monde a confié. Tout ça continue quand on a marambo et les cas qui n'ont gouvernement passé, il y a 18 ans, parce que ma marche, tout a confié, qu'on confie. Le peuple, les autres, ma population, les bandes, la population, ils ont mis ma base au confie. Sans résultat, ma lame. Bino, peu, vous voyez, les bisous, quand on dégaine mon corps, tout va bimarabas au confie, n'a pas de résultat, ils ont été. Marche et salamaki, on a nini. UDPS a commis le pouvoir. UDPS a parti au pouvoir. UDPS
azali ko sale la volonté ya peuple congolais. Parce que c'est le peuple congolais où ya sebeli qui a confié gestion en Bokana, parti moko ba bengi yango UDPS. C'est le peuple congolais. Ko kabolaté. Parce que olingi o lukaloko la ope sa ba responsabilité que bato ba koufi pour UDPS alansa qui marche. Non. Peuple congolais. Ne crois pas. Je vais te dire une chose. Nous sommes à comprendre. UDPS est allé parti au pouvoir. Parti au pouvoir, bah, il est le président de la République. Mais UDPS est allé d'abord fait privé. Il faut faire la part des choses. Ils allé parti politique, le coup là-bas, parti politique Nyos. Ce n'est pas que quand l'UDPS avait le pouvoir, Andy m'a même Bosoto Nyos. Bon, l'UDPS a bouda qui 37 ans pour nous libérer, pour appeler ça au somi, pour nous appeler ça aux valeurs en tant que peuple congolais. Bon, ma cambo l'UDPS a ça là qui l'erreur au coup, ma contraire. Andy m'a même n'a parce que l'IDPS est un peu privé. Mais savez que l'IDPS est un gardien du temple. Il y a un peuple congolais. Ce n'est pas comprendre. L'IDPS a un pouvoir pour fabriquer la millionnaire. L'IDPS a un pouvoir pour diriger d'une manière à se constituer pour la triomphe. Non. L'IDPS a un pouvoir pour nous servir le peuple congolais. Alors, dès que mon conseil est en train de le peuple congolais a fait ses missions, mais il n'y a pas de peuple congolais. Il y a un immense gouvernement. Le gouvernement est en train de le pouvoir de l'Union dans la constitution de l'Union pour le Kambambo. Ce qui est en train de le faire, il n'y a pas de peuple congolais. C'est-à-dire que le peuple congolais est en train de le faire. Pour l'IDPS, vous allez comprendre un état de droit, vous allez comprendre ma valeur juste, ma valeur démocratique, ma valeur républicaine, mais ce n'est pas que ceux qui ont l'IDPS a commis le pouvoir, ma valeur, on est ceux qui allaient bafouer, l'IDPS a dit ma yangote. Alors, au lobby qui est battu par Koufi, oui, et si tu as dit que tu as dit au moins, il dépasse à tamboli marche, n'a pas d'autre. Au moins, il dépasse à tamboli marche, n'a pas machette. Au moins, il dépasse à tamboli qui marche, à bouki bandako à bad, à yibi bilo à bad. Mais il dépasse à tamboli marche, n'a pas peuple congolais. Aux alliés journalistes, au moins, il dit seulement, bah, monsieur Soukoutou, quand on voit au Kansaké, bah, bimi n'a pas effigie, n'a pas mou. Bah, lobby, où est allé le Kambouya, Mboka. Peuple congolais, tout le monde a marché et salami. Et salami, tu tamboli, tu boukite, tu salini, tu pouvais vous salater. Mais ne l'a pas connu sur la tambola, banguna bayak. Ou est-ce que vous accordez que l'idée de faire salami marche pour ne pas te battre de vous fâcher. Les amis, il y a des dérapages. Il y a un civil. On va comprendre le sens de l'article 26, on va comprendre le sens de la constitution. Pour la constitution, on a vu ce lobby. Pour les gens qui sont en train de se faire, attendent que Nazali, conseiller à chef de l'État, Nazali a le droit de revendiquer que les Camerounais sont en train de se faire. Est-ce que vous voyez bien? Si, si. Hmm? Oui, c'est le peuple congolais, Nazali qui s'exprime, Nazali qui fait la revendication. Dans les Camerounais, c'est bel ici été. On a renoncé, on a vu mon amour qu'on a renoncé jamais pour vous en la tête. Il y a. Il y a parlement, ça dit. Oui. Nazali, vous cessez de répéter les Camerounais. Nazali, Kolobaboui. Peuple congolais, c'est dans son ensemble. Nazali, vous avez une opinion. Étant peuple congolais, parmi peuple congolais, nous avons l'opinion. Il faut tout le monde faire des choses. Pour la Rosa, dans le lobby de Rosa, il y a tout ça à Bilan. Nous avons cessé de vous répéter. Azali, il y a un bon bébé.
aya na kula kisha ibila. Usoko sali musala. Est-ce que c'est une sa carrière? Ce peu bande ko balobi ke tika. C'est un congolais qui t'a lui de dire non, na tiki na non. Ngai personnellement na moni ke non, nde kwa sali. Na za d'accord na ye. Bien ba ponie, na za d'accord na ye. Mais ce qui fait la majorité le biki Attica. Est-ce que vous allez pêcher pour Attica? Vox Populi, Vox Dei. Ne va pas la tête. Ngana ko lobana ndeko na ngana lobino, lekinanga Attica. Mukio azaki na seni, ba kongo ya mwana ezako chomé, na se ba tracteur kuna asa bilamba. Voilà, merci beaucoup à toi, Ozola Nanga depuis quelque part le président JB Kakamwala. La Pessimbote et la MTC Mobimba, puisque vous allez à partout dans le monde entier, sans oublier le président Toto Tshibangu, il y a MTC, le président MTC d'Afrique du Sud, Patrick Lumba, la FML, dans le village qui a mon compte. Dès lors, on a voté la Ndengembo Pesotambola, tout ce qui est la présidence Kuna Babi, a droit d'enveloppe, les vélos, appelez moi dans Mboka. Nous, tout soit dans un dossier, n'a rien comme on a la présidence, il faut y avoir une enveloppe, le dossier n'a pas projet, n'a pas quota. Je suis un ministre. François Foutier, Karim, tout le monde est là, il est là, il est là. Il est là, il est investir na mboka. Babi makamba là, il est là. Yo mwana mboka. Nino za na là, il est na il est là. Makambwana. Chef de l'État a tambolaki. A qui a tendu le boko. Alors, il est investisseur, baya. Au moins, il m'a baisé au bon mabino na Congo. Bokamati rumeur, donc la réalité. Dans le cabinet à chef de l'État. Vous êtes journaliste. Malgré que vous n'êtes pas journaliste, vous avez pas signé une chronique. Mais ceux qui ont fait ça, qui ont fait ça, il y a une investigation. Autant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous preuves, toutes les preuves réunies. Mais moi, je m'étonne, tu dois me poser une question. Au bazar au loba. Apporte-nous des preuves. S'il y a des preuves, président Tshibangu, président Toto, Ayebi du Kamunazoloba, Yazan Afrique du Sud, Ayebi, Patrick Lumbala, Ayebi, Nde Abidanga Karine, Mekananou, Soko Kosala, émission, Mekananou Kotuna du Kambango, Ezabo. Nalobi, Nalobi, Boye. Journaliste, malgré Bino, vous allez voir journaliste à Mabanga. Pour deux ans, nous avons il faut boire à l'Ibanda. Vous avez fait un Gwende en pleine émission. Oui, mais en pleine émission. Mais faut bien moi, je suis dans la mort. Non, non, je suis dans la mort. Pour mettre à l'Ibanda, tu es dans la banda. Salam, salam, journaliste, menez ma investigation. Quand tu mènes des investigations, tu vas avoir les éléments de oui, tu me poses une question comme ça. Voilà. Dans cette terre, il y a ça. Mais je suis à l'autre, je suis dans la Nungu, moi un homme d'État, je dois te répondre avec les Nungu. Si tu as des preuves, amené. Voilà. Yo, attendez, le chef de l'État, il est là. C'est pour lutter contre la corruption. C'est pour éradiquer les antivaleurs. Mais maintenant, yo, le Belanga qui est dans le cabinet, hein, Batou. Là, ça c'est un bon gros qu'on a avec sa dossier au Kossi. Amenez-moi des preuves. N'ego le lobby, toi, là-bas, lobby. Moi, je veux des preuves. Sauf qu'il y a des preuves. Excusez-moi. Sauf qu'il y a des preuves que dans le cabinet à chef de l'État, mon toi, avant que le dossier l'État, parce que nous avons un cas de collège, le dossier est quoi dans ma boîte on a attend au moins une matière qu'on a quoi quoi net ce que j'allais na domaine on a et quoi on a mis ça na gai na traité dossier je lance maintenant na pêche en tant que journaliste dans un collège planification agriculture pêche et élevage qu'est-ce que vous voulez langa on dit dossier terre on avait confié à président de la République na domaine terre
et que dessus on les a bloqués dans le collège ou on a pour que ça soit bon. Allez, mais maintenant on a un résultat. Président Toto Tshiba, je pense que aux réponses Nayo, à travers moi, Mboka, qui est parmi les conseillers du chef de l'État, parce que Mboka, c'est sérieux, ils ont des bons mondes, ils ont des cas. Mais là, on a un côté là, Mboka, on a vu son dingue, on a un que faut-il faire entre qu'est-ce qu'on a, toujours quitter ce qu'on a, pour ne pas aller sur Internet, on a pour ça, pour côté ce qu'on a domaine Nayo, papa Jean Simon. Que faut-il faire pour redresser l'économie de ce pays? Moi, quand j'ai vu cette économie qui dit, l'économie est comme une assiette, toujours battre des nids, tout ça, la bataille, toujours battre des nids, va s'en sortir dans Moka Oy, dans le domaine Nayo, c'est comme moi dans Moka. Des nids, tout ça là, pour l'économie en Moka Oy et Manta, toujours en couvrir dans des nids, tout ça là. Madame journaliste, je peux te dire que notre économie ne connaît pas sa chute aujourd'hui. Peut-être, quand je suis en train de voir ton âge, étant journaliste, je te renvoie toujours, il faut puiser les informations. Notre économie s'est dégradée, je peux dire, c'est depuis 1972, 73, 74, juste après la zaïrianisation. C'est là qu'on a connu la dégradation, peu importe, Zalaki d'une manière lente, mais aujourd'hui, tu es pour remarquer, Ango, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que vous voulez maintenant attribuer le gouvernement Félix Tshisekedi qui est à la cause de la dégradation de notre économie. Non, ça, ce n'est pas ma question. Non, je viens. Parce que vous, les journalistes, vous posez des questions des fois, nous devons quand même apporter. Je ne l'ai pas attribué au président oui. de la République. Oui, mais toi, tu dis que l'économie est Ezali Kokita. Ezali Kokita. Moi, je vais te donner la solution. La solution, elle est simple. Et c'est une solution que je te donne verbale. Et cette solution-là que je suis en train d'apporter aujourd'hui, c'est cette solution qui doit maintenant donner beaucoup plus une idée au gouvernement, à tous les acteurs. Je dis pas seulement les gouvernants, c'est-à-dire le gouvernement, les acteurs qui sont impliqués, c'est-à-dire le peuple congolais dans son ensemble, dans tous les secteurs. Nous devons y réfléchir pour faire sortir, pour éviter, parce que moi j'ai dit que nous devons éviter, mais nous sommes déjà à l'apogée de notre économie. Parce que l'économie bientôt, l'économie congolaise est en voie de disparaître. Pourquoi? Parce que l'homme congolais, il a oublié la chose essentielle qui a donné la valeur à ce pays. Ce qui a donné la valeur à ce pays, c'est l'économie agricole. C'est l'agriculture qui a donné de la valeur à ce pays. L'homme blanc, nos colons, ceux qui nous ont apporté la civilisation, soi-disant, je l'ai dit, bon, oui, nous étions organisés, nous étions civilisés, mais pour l'homme blanc, il ne veut pas reconnaître notre civilisation. Mais ils ont dit ceci. Nous avons trouvé ces gens. Il y a l'État indépendant du Congo qui a été distribué en 1805 aux conférences de Berlin. L'homme blanc arrive ici, il trouve la jungle. C'était toute une jungle. Il n'y avait pas la vie ici. Il a réfléchi maintenant la vie par rapport au modernisme. Je parle la vie par rapport au modernisme parce qu'il existait la vie. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre le Congo, qui est un espace non vivable, mais que le Congo devienne vivable? Il n'a pas recouru à la baguette magique. L'homme blanc a recouru à l'agriculture. C'est ce qui a donné de la valeur à notre économie,
c'est ce qui a rendu l'État indépendant du Congo fort. Jusqu'aux années 66, l'économie congolaise était égale à l'économie chinoise. Ça, je te l'ai dit. Va chercher, va fouiner, va... Tu vas approuver ce que je suis en train de te dire. En 1966, la Chine aujourd'hui, qui est parmi les plus grandes puissances du monde, nous étions égales. Et d'ailleurs, la monnaie congolaise, jusqu'aux années 74, après les indépendances, c'était une monnaie forte qui était plus que le dollar américain. Et ça puisait sa source où? C'est à partir de l'économie agricole qu'on a abandonné, qu'on a rejeté. L'erreur pour le tombe de l'économie en Bokalabiso, il faut retourner à l'agriculture. C'est l'unique solution. C'est la clé même. Il faut la volonté. Oui. Le matériel, vous savez, qu'est-ce qui est comme matériel? Chers journalistes, à l'époque, moi j'étais avec mon grand-père. Je suis allé chez moi. Je vais te donner un exemple. J'étais chez moi dans mon village. Mon père a laissé une plantation de café qu'il fallait aménager. J'ai trouvé mon grand-père. Mon grand-père me disait, mais il y avait des camions qui venaient acheter, quoi ça, le régime des noix de palme ici, pour les ramener à la société PLC à l'époque. HB. Qui était installé à Boteka, qu'on avait implanté à Boteka. Mais tout ça, au côté de village, et on entretenait des routes de dessertes agricoles qui permettaient l'évacuation, l'entrée et la sortie de ces véhicules. Et, attention madame, ce ne sont pas des bulldozers, hein. Ce ne sont pas des tracteurs qui travaillent. C'était la main-d'œuvre. C'était le maître. Les hommes. Qui entretenaient des routes où tu peux quitter Kinshasa jusqu'à Kisangani. Ce n'étaient pas des routes qui ont été fabriquées à partir des bulldozers. Non, ce n'était pas asphalté. Et il y avait des camions qui entraient. On a tout rejeté. Est-ce qu'il y avait des tracteurs? Non. Il n'y a pas de machine. Mais si ces gens-là ont rendu notre économie forte avec la main, ces mêmes gens que vous voyez, peu importe à l'époque coloniale, jadis, il y avait le fouet, mais après les indépendances, on a continué avec le même système. Donc là, il n'y avait pas de pluie. Mais les cantonnages manuels au niveau de nos villages qui entretenaient des routes de dessertes agricoles, il y avait du café, il y avait la production du café. On évacuait les cafés. Mais aujourd'hui, on a tout abandonné. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où il y a le nœud du problème. Il faut revenir. Avant de tracter, commençons d'abord. Parce que nous avons la possibilité de commencer. C'est cette politique-là qu'il faut appliquer. C'était une bonne politique. Il faut un budget. Il faut un programme. Excusez-moi. Vous savez, dans toute chose, il ne faut pas d'abord regarder l'argent. Tu comprends? C'est d'abord la conscience. Nos amis qui travaillaient à l'époque jadis, qui se sont déversés dans des grandes agglomérations urbaines, mais ce sont eux qui étaient des meilleurs cantonniers. Il y avait des travaux de mobilisation au niveau de nos villages. Il suffit que les chefs de groupement lancent un mot d'ordre. Nous allons travailler sur notre tronçon qui va de tel endroit jusqu'à tel endroit, à notre limite, avec tel groupe. Et c'est comme ça que ça se faisait. Et tout le monde était obligé de respecter. Il n'y avait pas de fouet. Là, c'est après les indépendants. Moi, j'ai vécu ça. Mais qu'est-ce qui empêche? C'est seulement cette volonté-là. Et c'est ça la volonté que les chefs de l'État nous amènent. Commençons d'abord avec ce que nous avons. On doit relancer. On doit redresser, on doit remettre le paysan au travail dans chaque coin. Quelle est la spécialité du Bas-Congo? Le Bas-Congo, c'est ça. À l'Équateur, c'est quoi? On le remet au travail. Et ce sont ces mêmes gens-là, avec ces soucis-là, avant que les machines viennent. Mais lorsqu'ils sont abandonnés, lorsqu'on sent qu'il n'y a plus rien, qui va encore planter, qui va encore aménager les routes? C'est cette politique-là. Et c'est ce que les chefs de l'État nous amènent aujourd'hui. Et lorsque nous allons maintenant
redresser notre. Donc, nous allons commencer avec les moyens de bord. Mais les machines vont venir, les tracteurs vont venir. Il est seulement question de la volonté. Et c'est cette volonté que le chef de l'État nous amène aujourd'hui. C'est cette prise en charge, l'auto-prise en charge des Congolais. Et l'implantation de l'intérieur, ce qui est abandonné, les gens vont se remettre au travail. Il suffit seulement de leur donner un coup de pouce, c'est-à-dire il faut des campagnes de sensibilisation. C'est à travers ces campagnes-là que l'économie de notre pays va se redresser. Les machines ne viendront que pour ajouter. Les partenaires seront séduits, comme le président a dit. La porte est ouverte à tout investisseur. Ils viendront nous trouver pendant que nous sommes déjà opérationnels, à l'instar de Mao en Chine. Mao n'a pas commencé avec la grande technologie. Il a d'abord commencé comment? Chinois, Yakatande, Balouna, Adisangu, Tolona, Masangu. Nous avons nos méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, ce que nous mangeons, dans nos villages là, toi tu manges ce qui est importé, mais dans mon village, il n'y a jamais le riz de Taïwan qui arrive dans mon village. Alors, ça bombe, là, on y a chez moi. Et c'est content de ça. Balia, est-ce que va une gagne bien à tout ça tomber? Excusez-moi. Sorry. Et pas dans gagne yo, na Kinshasa mbé toza kolia l'osso ya Taïwan, ya Chine. Mais chez moi à Bumba, on ne mange pas ça. C'est-à-dire, il y a quand même l'existant. Donc nous devons maintenant travailler sur l'existant. L'existant, ressources humaines, l'existant, potentialité. Et quand nous commençons, au moment où directement, ma machine est voyée, l'économie n'a plus été voyée. Et c'est dans un clin d'œil. Parce que si les gens à Bumba, il y a un peu de temps à Taïwan. Si vous avez dit à Bumba, il y a un peu de temps à Bumba. Si vous avez un peu de temps à Bumba, il y a un peu de temps à Bumba. Il y a un peu de temps à Taïwan. Il y a un peu de temps à Bazolona. Donc il faut que les gens soient à Moussala. Mais toutefois, avec le modernisme, il faut apporter un plus et on va redresser notre économie. Voilà, merci beaucoup. Je pense que la réponse est donnée pour n'avoir pas tout là qui marambouita les lourds ni pour ça pour l'économie en bouc à la vision. C'est ça la vision du chef de l'État. C'est ça la vision du chef de l'État. Ils ont peut-être l'Équateur, ils ont été abandonnés. Mais maman, tu veux dire que l'Équateur est abandonné aujourd'hui? Depuis. L'Équateur est abandonné, mais je suis en train de te dire, quand tu sens mon langage, tu vois ce que je suis en train de t'exprimer. C'est ça la volonté du chef. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là-bas au cabinet. Oui. Peu importe, au Rolona Lissamou, les lois et Botite, c'est un grand travail parce que redresser l'économie, ce n'est pas facile. Oui. Le cabinet du chef de l'État, il y a des projets, il y a des réflexions, il y a des travaux qui se font. On a redressé l'économie, l'économie n'a du son, mais notre économie, son point de départ, va sortir de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Congo, Bisso, Tchaka, Motema, Liboso. Motema, Ekenende, Liboso. Après, nous avons ma colère, Lambda. Tout ça, la volonté, Motema, il y a que ça, la fin de mon cannabis, Ekenende, Liboso. Bon, le bâté, que je pense que la réponse est où tu pourrais pas m'opposer. Le conseiller du chef, c'est bon, dans la matière agriculture, pêche et élevage. Je pense que Bolandi, ma lame. Moi, Lamboka, Jean-Simon, le Kango, tout qui est d'un côté. Système éducatif à Mokoyo, l'ingé toujours kembele. Année si liba na batangite suite à Corona, bien sûr. Question moussou sou de gomoko tourner le bi, état d'urgence ou vous allez lever jusqu'à quand? Toujours que n'a ou mona ti année prochaine? Question yangouana. Et puis ben l'ingé toujours que tant que chuter na makamatali, makamambo kanabiso. Maman journaliste. Coronavirus, tu es bien. Mais bien, non, Aouta qui sont en Chine. Comment on a égaré la mort? Yo, mon ando. Donc, il y a mon arrêt que nous avons des missions de gaz. Le coronavirus, ando. Non, nous sommes la mission à MAP. Est-ce que tout le monde est? Tout le monde est. Aouti wapi? A bandi wapi? A gosuka wapi? Est-ce que l'eau ou anna est allé? N'a pas tout fabriqué à moi? Tiens, et y a un rapport. Tomona jadis. Épidémie est salagana, salamana, Italie, en Espagne. Les années 40. Peste. Peste espagnole. Et où t'as là? Mais espagnol, tu vas fabriquer là. Et où les catastrophes naturelles? Donc on a dit, tu vas dire, tremblement de terre, sur le bé salamana, boum. Bissoyen. Bissoyen, surtout ça. Est-ce qu'on a dit Cambo?
à mesure où ils sont mis, nazali ko lobe la bande konanga ba congolais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Coronavirus, c'est une réalité. Azali loko la peste espagnole. Azali loko la tuberculose, ba épidémie nyonso ceux qui ont décimé la population jadis, ya mon détoyé pour mon aller. Azali ennemi otozo bunda nae to ebiete. Côté à aussi là, tu es évité. Mais seulement, je m'en réjouis, je travaille au gouvernement de la République à Zosal, na Katia, cellule y a riposte. Nde konanga, au moins nde koyona. Pourquoi ma gamme, il est en Espagne, il est en Italie, il est en Chine, les autres sont en États-Unis, Congolais. Hein? Ah. Coup de chapeau dans le gouvernement. Coup de chapeau dans l'équipe à riposte. Papa, est-ce que maintenant tu vas protéger? Mais nous savons que nous savons. Rien que quand on va conseiller, on va tous tous. Au peuple congolais, tous. Mais moi, mon expansion, je disais, okay. Combien de décès tu as enregistré? N'est-ce combien? Est-ce que tu as tout combien? Tu as allé plus de 80 millions d'habitants. Mais allez pas dans le mais pas dans le banga. Mais pour que le gouvernement le dit non, il faut total. Et donc, pour la classe, il faut que le soit inconscient. Dans la classe, il au moins aller un sou à la masque. Ce qui est bien, c'est que on a bien, oui, attends, si on a sauvé ma boque, tout ça, on a qui a s'est débarbillé, aïe, si vous appelez ça, ta papa, bisous. Mais la classe, on a au salon, on a au salon, on a au salon, on a tout ça. C'est pour notre bien. Parce que jusque-là, tant que nous sommes tous les gens, comment est-ce que tu peux nous maîtriser? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que pour le gouvernement, pour ça, on a les alliés pour assurer le bien-être social? Mais tant que vous avez une agressivité, aucune classe, je ne sais pas si vous avez une classe, vous avez une mais ce que vous avez mis au gouvernement, c'est pour notre bien. Moi, je trouve que vous avez lancé, vous avez congolais, vous comprendre la vérité de non, classe. Oui, classe, vous avez lancé. Vous avez lancé le gouvernement. Vous avez lancé le gouvernement. Non, le gouvernement, tu es sur le blocage. Il n'y a pas un blocage. C'est le coronavirus qui nous bloque. Le collège a Zali comme on. Bon, le gouvernement a Zali ta tête. Oui. A Zali papa, maman. Moi, je suis là, papa. Je suis là. C'est ce que je dis. Mais je suis là, je suis là, papa, Zali vit. C'est ce que le gouvernement est en train de faire pour la gestion de la pandémie ou de la COVID-19. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont jugé. Pourquoi le chef de l'État a été celui qui a été riposte? Il y a des hommes bien formés. Ok, moi je suis agronome. Je suis barbare dans le domaine. Voilà. Et puis, dans le monde, on a confiance parce que Bango est venu nous saluer. On a fait ça. Bango est venu nous saluer. Non, non, non. Gouvernement a place sur eux. Tous les salams. Tout pour loger le souci. Total. Total. Quand on va au monde, on a dit non. Awa, ça va. On va déclarer Ebola. Que Ebola est ici. Ici. Il y a un peu aussi là. Et il y a un peu aussi là. Na bolingo nzambe po eloko nyonso tout to kosenga pe mawa ya nzambe coronavirus ekosi la mais to pe sa confiance na musala gouvernement za kosala na kati ya cellule ya riposte nyonso bazo pesa biso lokola batoli to tika na no presse wana po to kosala papa bana bake université na pesho exemple bana mike ngana zana bangwa na ndako so na bimisio omaka so na yebo na linga ata badi malibanda te. Je suis un peu plus grand. 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 L'école est belle, pour multiplier le centre d'examen d'État, pour respecter la mesure de la distanciation,
Voilà, c'est ça ce que le gouvernement est en train de faire en tant que parent. Oui. Donc, ils ont le côté s'acharner dans le gouvernement, ils ont le côté tout le négocier à une colonie. Négocier à une colonie, qui est de retour dans le monde qui a un peu bien. Voilà, merci beaucoup, conseiller. Voilà, bon courage, si bon. Voilà, dans mon temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, tracé dans l'ordre national. Comme héros, bah, le rôle national de Mumba, le roi Désiré Kabila. Pour Nayo, qu'est-ce que Kengo a pu faire dans Mboko pour que va tracer Batchaye dans l'ordre national voilà. Parce que c'était un programme déjà lancé, qu'on a eu détruit, Mamouké. C'était avant-hier que Batchaye, honneur, Wana, quoi. Donc, on a un héros, il y a Mboko RDC. Paix à son âme. À l'âme de qui? Kondo Kengo Adondo. N'a pas essayé d'abord paix à son âme. C'est parce que Azali Nanou, Papa Nangai, Nakati à Grand Équateur, ça c'est un, Kobosa Nangote. Yami Balé, Papa Nangai, Nakati à République démocratique du Congo, il a servi ce pays. Mais Azam vivante. Azam vivant. Azali vivant. Parce que Mimi Balata Kaba, oui. Zéla. Ceux qui n'ont pas de paix à son âme, c'est-à-dire dans le sens c'était la Koufi. Pour voilà. Place à Azali, Azali n'a pas de son âme. Moli mon aïe paix manam, na siao. Bien que n'a pas Koufi. Moli mon aïe za l'âme y a pour paix. Na kimia. Ceux qui colonnent Zambé, à vos oyés. Soit aux zones, ça y est, sur la bombe. Moli, mon aïe, paie ma la, na kimia. L'essence, na la lobe. D'accord. Na lobe, t'es qu'à Koufi. Mais en cela, batou yamou kili, balinga, vous bois, qu'elle a battu follow, le cas sera Koufi. Kengo n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ma mérite, na e, ou ya salaki, tu y es bien. Azalak, n'a pas une perfection. Le coup, la moto. Je vois un dégât Nazari. Pour le long appel, son a couffi. Ton a dans la bonne mori. Bon mori, le chef de l'État, l'unité. Ton Jean Simon, ton salaire, beaucoup le bail délai. Mais chef de l'État, je suis en train de voir sa vision. Nathalie n'a dit non, 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 non. Ça, c'est la vision de Dieu. Aza, vous valorisez, bah oui. Aza, vous valorisez, bah, il va dans la bonne mori. Ce n'est pas ça? Si, si. Pour la Bissot, aimons-nous vivants. Nakatia Grand Équateur, c'est une joie pour nous que Papa Kengo Adondo, un monument, Mokonzi Mboka, a saliba élevé la dignité. En tout cas, ceux qui battent Vazari, amenaïm, babeta Mokonzi Mboka, ma bonne. Ça, c'est la sagesse. Papa, tu fais quoi? C'est un commis qui a commencé. Qui a commencé depuis sa jeunesse à servir ce pays. Il a rendu des loyaux services à ce pays. Naga Bolobana, on a pris ça comme exemple, Mogo Yamune. Le 19 septembre, au marché de Salaman. Quel courage que ce papa a pris pour dire que non. Moube Kouane Salanini, on a respecté la volonté populaire. C'est un exemple. Et tu crois que na ma mise la biseau congolais lingai de kaka na chef de l'État va lingi instaurer démocratie, ce sont des valeurs. Oh, il fallait que Abibo, il cambo ne salama pe na parlement. Mais taraye et c'est les qui na chambre basse et comme pas na e ba tomboki papa ba tu ba kufa hein. Oui oui. Abi jamais. Au nom de la République, au nom de la paix, en respectant les souverains primaires. Mobekoane, elegato, elegaka. Tambo ici là, Makila est en garde. Soutez bien que Makila est en garde. Ce sont ces courage-là. Au chef de l'État, Talia le dit non. Ces messieurs, il faut t'honorer. Tambo à vivant. Attaque un autre élève. Talia le dit oui, j'ai servi mon pays. Je dois être honoré. Coup de chapeau. Bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Papa Kengo, place au Vandi, Tika Moli Monaeza Anakimia. Oh, père, moi, la lobby, t'es là, pour faire la Kundaïté.
Bédé Siko, il peut voir, oui, j'ai servi mon pays, et mon pays m'a honoré. Au bah, président Kassavou, au bah, Fak Bamor, Moko, bah, Lumumba, bah, Laurent Désiré Kabila. Mais le président Siko a fait révaloir, a révalorisé ma valeur et Zalaki Katinabat, ma mérite et Zalaki Katinabat. Ce qu'il a fait na président honoraire ya Sénat, premier ministre honoraire, ministre honoraire, Wazali ministre, premier ministre, il y a na cour suprême, hein? Il était là même la cour suprême. Si, si. Ma mérite n'a rien soit salarié. Il y a beaucoup de travail. Il y a des choses où, quand ils étaient aux affaires na la magistrature, papa, ça a quitté. Et là, va venir qui est méché la rigueur, n'est-ce pas? Oui. Et les lois, et ça quand même va valer au monsieur tout le monde. Ah, mais il a été un modèle. Là, bien qu'il n'y ait pas d'aller, il a été un modèle, mais c'était l'état des droits. Oui. Il a montré la pratique de l'état des droits. Oui. Bon, si vous vous entendez, ceux qui vous connaissent à reconnaître ma mérite, wana, nous disons, Kouchapo na papa, Kengo, oui. C'est l'honneur pour nous, ma fils à Grand Équateur, c'est l'honneur pour la République et l'état des droits. Voici, il y a quand même des gens qui ont osé. Et à Ozaki, dans mon mani, Luango, tu as fait ça, Kanga et Nabolo. Oyemi Banzebo Yamabe. Boloko. Voilà, c'est une valeur pour l'état des droits. Donc, pour la côté, voilà, coup de chapeau à la chef de l'État. Voilà, nous tournons vers la suite de cette émission, c'est déjà la fin. Mais invitez-moi dans Mboka Jean-Simon Lokango, pour que vous puissiez le nini, la maman, ma tani, ma maman, Mboko yo. Parce que tu as le souci, tu as le souci, nous les avons quatre noms, on a confirmé que les Congolais sont partout dans le monde entier. Bon, il y a un souci, maman journaliste, Zalini, Nazali Congolais, Nazak pour interpeller ma compatriote, Nangaï, ma Congolais, ma sens de patriotisme. Nous devons aimer notre pays. Mutu moko akoya kulinda Congo kuleka ngai na yote. Soko mwani mwa bendera ya mke. Oya ngai moko na katikati. Okuna ya Israel. C'est-à-dire naza ko s'inspirer na modèle. Ona kuta ke États-Unis. Na modèle chef de l'État tininga na États-Unis. Alobi kende kotala ndenge batu wana batongi ya bangombo. J'ai senti le sens du patriotisme américain et Mboka Kanaï. Donc, yo Congolais, linga Congo. Pour linga Congo, il faut linga Ndekonaro. Il faut linga. Pour nous, son Zambia Tessio. L'Ongola Molimo, ya vous considérez Congo le patrimoine Nayo. C'est un patrimoine commun. Ozali Mokonti. Biloko ya Congo, isa ya yote. Ozali Mokonji, ozali wanande pona ko servir peuple congolais. Biloko ya peuple congolais, tango biso toko longwa, na komi linga biso moko, tango toko linga Congo, c'est-à-dire, on aura le sens ya partage, ya amour. Oye, ba genaza Mokonji, je suis là comme serviteur. Je ne suis pas là comme un roi pour m'imposer, je ne suis pas ministre. On a joué biloko le ministère n'a rien comme un gaïté. Aux Aliwana seulement comme un gérant, comme un intendant. On a servi le peuple congolais. Congo est tout dit bon mengo. Congo est tout dit kita. Mais kita n'a tout ça au monde en gote pour la nini. Bolingo yamboka et zalite. Mokolo moussou, on a volé ça par exemple. Les Ali légion, auto moni na miki. Au bande comme sous balaxa bolingo na bango nde yango ba tombolimbo. Et puis message on a là pour lancer les alumines. Politique c'est bien, le droit c'est bien, mais le lot mboka na bisez na passe tozo na la bilanga pour na redresser économie mboka na biso to pesa biloko ko lia na ba congolais to pesa mbisi na ba congolais pour aller pas na biso. Les lots, tous avons importé Saint-Charles, tous avons tiné à importer en moté. Nous sommes alliés. Tous avons la méthode, nous sommes développés pêche. Ils ont la pêche naturelle, ils ont la pêche artificielle.
pêcher se développer, agriculture et se développer, élevage, y a banyama et se développer, y a bandeke et se développer, ne y a moins au sala, le coup moins au sala ma casse à économie na biso, toti kanan ko inana. Ce qui est là, ngai na komi président de la République. Lobi na boti kamboka, lobi nga na volé. Oya zali, orieto zana makanisi, ya kote kamboka. Ya ko sala pona ko détruire to zani na makanisi ya bolobake di kanisinga na zana yango gouvernement kalanga na moni pona to tombola mboka na biso lokwa ngana za ko lobana secteur agricole et loko to ko tombola mboka na biso pour le moment ezali secteur agricole moto ko supa zana makanisi na domaine juridique moto ko supa zana makanisi na domaine santé makanisi wana nyoso to sangisango esika bo moko to pesa mo na gouvernement ezako kama mboka c'est-à-dire mokonzi ya mboka on a tout ton mboka dans l'amour, dans l'unité. Toti ka koyoka biyoka yoka. Toti ka kobenda ba trouble na mboka. To longola esprit à sécession. To longola esprit à tribalisme. Tel que moi je suis là, je suis congolais. Et je reste congolais. Nazali américain te, nazali rwandais te, nazali burundais te. Je suis congolais. Et tout celui qui est reconnu citoyen congolais, il est mon frère, il est ma soeur. Il est mon fils, elle est ma fille, donc tu travailles dans l'amour. Ma divergence dans la politique, tu as un peu mais regardons l'intérêt du Congo. Parce que tout de suite, on l'élit 60 ans après, le chef de l'État vient de proclamer l'indépendance du Congo. Il a proclamé l'indépendance à Congo. Comment? Dans le discours, c'est là qu'on a compris. Que pendant tout ce temps, il n'y avait pas l'indépendance. Mais maintenant, le chef de l'État a été proclamé indépendance comment? Avec l'instauration de l'état des droits. Parce que c'est l'état des droits qui va donner de la valeur à ces pays, qui va développer ces pays. Lorsque l'état des droits, c'est-à-dire la loi au-dessus des individus, va jouer son rôle, le Congo va se développer. Message Nazari Namuna Yasuba Yamwana. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cette émission. En tout cas, pour s'abonner massivement à Katia Apache Info. Merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout ailleurs. Na moni bongo ye moko le boss Apache Info pétampé moi na mboka moi na maman Linda. Je vois Kifani Mignon de Bruxelles et par la Nami Mignon Apache Info dans l'émission pour na mboka. En tout cas, boya na mboka toto na mboka agriculture ezali, élevage ezali, pêche ezali. Bino boya ka volonté ezala toto na mboka na biso. Bisi ezo na mboka, bino ka kolé ezo na mboka. Notre pays est si beau, notre pays est si riche. Nous avons des hommes intelligents, des femmes intelligentes. Et pourquoi pas tout comme Mboka et Longo. Merci beaucoup, oui. Oui, nago senga na boye. Oui, bah. Et loko mokonzi Mboka uti ko sala pona papa Kengo Adon. Oui. Communauté nyonso ya Grand Équateur. Nous sommes à l'honneur. Oui, na Grand Équateur na moni ba Gérard Abani. Oui. Bah, biso passo, il faut tous se mobiliser. Oui. Total et loco nini tozwa lisukuru moko, c'est-à-dire discours moko, otoko ko ran ko remercier chef de l'État. Voilà. Ndenga reconnaître ba mérite ba moko ya biso ya Grand Équateur na Kongo papa Kengo Adun. Voilà. Boli monde ya moana en tout cas to sima na loboko Kongo ka ekende liboso to tika ba en tribal, ba guerre tribale ezana eloko moto zo bomaka mboka. Et ça, bah, on t'y valeur, t'y en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.